Bon, le suspense insoutenable est terminé. Ça s'est super vite, il paraît tout le temps. C'est toujours la même lumière, c'est voilà. Voilà. C'est pas du tout préenregistré. Non. Ouais. Donc, les belles-mères, tu dis que c'est plus difficile finalement. Oui, parce que ce que j'ai observé, c'est que souvent les hommes ne donnent pas à leur compagne la première place. C'est-à-dire que par culpabilité, par peur d'être un mauvais père, pour plein de raisons, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent leurs enfants à la première place. Et du coup, ça met la belle-mère dans une position extrêmement difficile à gérer. Où elle est la première quand elle est au lit avec son mec, et où là, ils se retrouvent, et où là, ça se passe bien. Mais dans la vie au quotidien, le père ne donne pas la légitimité à la belle-mère d'être parent vis-à-vis de ses enfants. Et ça, c'est terrible. Et pour les enfants, c'est vraiment une situation douloureuse pour tout le monde. Alors que si ce même père part en vacances avec des copains et ses enfants, il va tout à fait accepter que les autres adultes aient de l'autorité sur ses enfants. Mais c'est comme si le conflit de fidélité, il était plus présent chez les parents que chez les enfants. C'est-à-dire de reconnaître, de dédier, de légitimer l'autorité de l'autre parent, qui évidemment ne va pas faire pareil qu'eux, parce qu'aucun parent ne fait pareil avec les enfants. Et les enfants trouvent ça normal. C'est adéquat qu'un adulte ait de l'autorité sur eux. C'est approprié, ils sont... Voilà, la belle-mère ou le beau-père ne prend la place de personne en prenant cette place-là. Il prend juste la place d'un adulte éduquant un enfant. Ou en responsabilité d'un enfant pendant un temps donné. Tu veux dire que le problème qu'on pose souvent, est-ce qu'on se substitue à la mère, est mal posé. C'est-à-dire que l'enfant a une mère et vit, en tout cas à un certain moment du temps, avec quelqu'un qui est une belle-mère, mais qui en réalité est un adulte. Est un adulte qui... Et dans un rôle d'adulte avec sa responsabilité. Exactement, comme va l'être le professeur en cours, comme vous allez l'être le jour où vous prenez en week-end la copine... De votre fille, pendant ce temps-là, vous allez dire à cette petite fille qui n'est pas la vôtre, on passe à table à te laver les mains. Et c'est va te coucher. Ou va te coucher parce que c'est l'heure, ou tu ne me parles pas sur ce ton-là. Et sous prétexte que c'est les enfants de l'autre, souvent, ce n'est pas possible d'avoir cette place-là. Et du coup, ça devient très difficile. Et l'enfant est malheureux et perdu. Et le parent souffre. Merci d'être là.